qu'est-ce que je peux faire comme action, okay, aujourd'hui qui va me permettre de pouvoir gagner de l'argent sur le long terme. Sur dans 10 ans, je gagnerai toujours de l'argent grâce à ça. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, hein, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, et patati et patata. Ok, ici c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, motivé à passer à l'action, créer ton business en ligne. Arrête de réfléchir, arrête un petit peu là avec toutes tes bullshit que tu as dans le crâne, ça fait que te freiner en fait. Juste passe à l'action et tu réfléchiras après. Donc du coup, moi j'ai créé mon premier business en ligne, c'était en 2016. Business en ligne où je vendais des formations en ligne sur le saxophone, où je vends des formations en ligne sur le saxophone. Tu peux me trouver, tu tapes Jonathan Hatchi, le saxophoniste, tu me trouveras. Non, même pas, Jonathan, le saxophoniste, tout simplement, tu me trouveras. Ok, pourtant j'ai grandi à Évry, j'ai redoublé mon BEP. Dans le quartier des Pyramides, j'ai grandi dans 91. Et j'ai réussi à le faire. Donc les gars, arrêtez de chercher des excuses. À un moment donné, faut juste passer à l'action, quoi. C'est vraiment possible. Faut juste passer à l'action et y croire. Déjà, faut croire. Et après, tu passes à l'action, logiquement, quoi. Quoique, il y en a qui croient, ils disent « Ah ouais, ça déchire et tout. » Mais par contre, ils passent pas à l'action. Donc bref, et passons directement sur la vidéo. Comment tu dois penser de Bill Gates? Alors, je ne sais pas exactement quel titre mettre, donc j'ai mis ça. Hein, peut-être que je le changerai quand tu verras la vidéo. Mais c'est en gros la manière dont tu dois penser, et la plupart des gens ne pensent pas de cette manière-là quand ils se lancent pour pouvoir créer un business en fait. La plupart des gens sont optimistes sur le court terme et pessimistes sur le long terme. Et moi, ce que j'ai appris dans mon expérience et aussi de Bill Gates, hein, je te partagerai sa pensée après, c'est qu'il faut penser exactement l'opposé. Ça veut dire qu'il faut penser sur le court terme de manière pessimiste et sur le long terme de manière optimiste. Mais l'être humain, il est toujours attiré à vouloir penser de manière optimiste sur le court terme. Et c'est pour ça que quand les gens ils commencent à se lancer dans le business, ils disent « je vais faire 1 milliard dans un an ». Tu vois, voilà. Ils disent « dans un an, je vais faire 1 milliard. Dans un an, je vais faire 10 millions ». Tu vois. Et ce que ça entraîne, cette manière de penser genre court terme, super optimiste, c'est que ça emmène quoi? Le découragement. C'est pour ça qu'après, il y a des gens qui commencent un business, ils font ça un mois, deux mois, trois mois, et puis après, ils arrêtent. Ils disent « ça ne fonctionne pas ». Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement optimistes sur le court terme, ils se sont dit en un an, je vais devenir millionnaire et tous les problèmes sont réglés, quoi. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Deuxième problème que ça apporte, le fait de penser genre court terme de manière optimiste, c'est que ça te met un stress constamment en fait. Tu vois, tu te dis, comment ça se fait que je ne fais pas encore 10 000 euros? Ça fait deux mois que j'ai commencé, je ne fais pas encore 10 000 euros par mois, comment ça se fait? Tu vois, donc tu es toujours dans le stress en train de te dire, comment ça se fait que je n'ai pas réussi? Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Après, ça te remet en question, tu te dis, peut-être que c'est moi le problème, etc. etc. Est-ce qu'après, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas à exploser, par exemple, en moins d'un an? Si, ça existe. Mais après, il y a un truc qu'il faut que tu saches, c'est que tout ça, c'est des épiphénomènes. Ça veut dire que c'est pas la moyenne des gens qui se lancent dans le business. Tu vois, loin de là, tu vois, ça doit être 0,001%, tu vois. Je te donne un chiffre au hasard, mais ça veut dire juste pour te dire que c'est vraiment très peu. Donc, quand tu pars sur des trucs optimistes comme ça, en mode court terme, moi, je vais tout déchirer, etc. En moins d'un an, je serai millionnaire. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça, quoi. Et le fait de penser court terme, ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre en plus les mauvaises décisions. Parce que si tu prends des décisions à court terme, ça veut dire que tu vas juste, prendre le premier, le business pour toi qui a l'impression que c'est là où il y a le plus d'argent, où tu vas pouvoir gagner de l'argent le plus rapidement, le plus simplement, le plus facilement possible. Hein, c'est pour ça que les gens, ils kiffent tous dès qu'on leur dit « ouais, tu vas gagner de l'argent sans rien faire ». Ils se disent « là, c'est bon, là, on est bon », tu vois, parce qu'ils pensent toujours court terme. Donc, quand tu penses court terme, tu vas prendre des mauvaises décisions. Je pense même aux gars qui, qui font du dropshipping. Moi, dès que j'ai vu ce business model, par exemple, qui est le dropshipping, j'ai tout de suite compris que c'était un business model à court terme, tu vois. Mais il y a plein de gens, tu vois, ils se lancent dans le dropshipping, ils font de l'argent et puis ils s'arrêtent là, quoi. Alors que le dropshipping, hein, je prends un exemple sur le dropshipping parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du dropshipping qui regardent mes vidéos, mais ça marche pour tous les business, hein, ça revient au même. Hein. Le dropshipping, c'est qu'une étape, tu vois, c'est qu'une étape. Après, tu dois développer obligatoirement sur une marque ou sur quelque chose. En fait, il te faut quelque chose de durable, en fait. Tu ne peux pas prendre juste un business model qui te fait gagner de l'argent comme ça rapidement, et puis après, tu es content, tu dépenses tout, et puis il ne te reste plus rien.
Tout ça pourquoi? Parce que tu penses court terme, optimiste de manière court terme. Alors que le long terme, tu vois, c'est complètement différent. Je te partage la pensée de Bill Gates. Bill Gates qui dit « La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un an et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. » Je te le répète. « La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un an et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. » C'est tellement vrai. En fait, les gens ne sont pas prêts à s'engager sur 10 ans, tu vois. 80% des business se cassent la figure en 5 ans, ok? Et les 5 années suivantes, il y a encore 80% des business qui se cassent la figure. Ça veut dire que sur 10 ans, il reste 4%. Donc sur 10 ans, il reste seulement 4% des business qui sont encore présents. Donc quand tu lances un business, ton objectif c'est de partir sur 10 ans. 10 ans pour que tu puisses durer. Tu ne construis pas un truc pour que après dans 2-3 ans ou dans 5 ans, tu retournes dans un boulot de salariat. Ça n'a aucun sens, tu vois. Donc ton objectif lorsque tu lances un business, parce que je te rappelle que tout ce qui est business en ligne, ce n'est pas parce que c'est en ligne que genre c'est pas un business. C'est juste que le monde l'a évolué. Maintenant le business se fait en ligne, mais ça revient au même. C'est vendre un produit à des clients ou un service. Tu vois, au lieu qu'il y ait des locaux pour le faire, bah maintenant, bah les gens, où ils délivrent le coaching, par exemple, si c'est du service, où ils le délivrent via des plateformes comme Skype ou j'en sais rien, tu vois, ou si c'est un produit, au lieu d'aller à Carrefour, bah on te livre, tu vois. De plus en plus, le monde, il va évoluer comme ça, tu vois. Donc, toi, ton objectif, c'est toujours de penser long terme. Il faut que je sois là dans 10 ans, dans 20 ans. Il faut que mon entreprise elle reste là. Il faut que je crée un empire. C'est pas juste, c'est pas genre j'ai gagné au millionnaire et puis je sais pas l'euro million et puis genre j'ai de l'argent comme ça pendant un an et puis après j'en ai plus dans 2-3 ans. Tu vois, ça n'a pas de sens en fait. Il faut toujours penser long terme. Tes décisions vont changer complètement. Et le fait de penser long terme de manière optimiste. Bah, tes décisions elles vont changer. Tu vas pas prendre les mêmes décisions, tu vas pas faire les mêmes business. Tu vois, si jamais tu penses long terme, tu vas pas faire du dropshipping pendant 3 ans, quoi. Enfin pendant 2 ans. Tu vas peut-être faire ça pendant 1 an, 2 ans, le temps que tu fasses du cash. Dès que tu vas faire rentrer du cash, boum, tu vas partir sur la création, sur un truc pérenne en tout cas. Ou tu vas investir ton argent en immobilier soit pour acheter des actifs, ou tu vas acheter des entreprises, ou tu vas créer ta marque, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu ne vas pas rester dans ce business model-là. Après, je peux te dire autre chose, je peux te dire dans d'autres trucs, dans d'autres business, mais ça revient toujours au même en fait. C'est toujours penser long terme. Qu'est-ce que je peux faire comme action, okay, aujourd'hui qui va me permettre de pouvoir gagner de l'argent sur le long terme? Sur dans 10 ans, je gagnerai toujours de l'argent grâce à ça. Et quand tu penses comme ça, au début, ça ne se voit pas que tu gagnes de l'argent, tu vois. On dirait que tu ne gagnes pas d'argent, etc. Mais plus les années vont passer, déjà, plus, d'une part, tu seras toujours là. D'accord, les autres qui étaient là, ils ont disparu, ceux qui étaient en train de flamber, etc. Mais toi, dans 10 ans, bah, par exemple, bah, tu seras super à l'aise, tu vois. Et 10 ans, les gens, ils se disent, c'est trop long. Ah, attends, t'imagines 10 ans, etc., etc. Mec, les milliardaires, ils ont des projections après leur mort. C'est-à-dire, c'est des projections sur 100 ans, 200 ans. La clé, c'est toujours de penser long terme et d'être optimiste sur le long terme. Les décisions, tu ne prendras pas les mêmes. Au lieu de consacrer ton temps à essayer de faire de l'argent pour le mois d'après ou je sais pas quoi, non. Réfléchis comment tu peux faire une action qui va te permettre de gagner de l'argent sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, tu vois. Et oui, et forcément, ça peut être frustrant parce qu'il y a toujours le classique, la gratification immédiate. Si par exemple, si tu gagnes de l'argent là aujourd'hui en faisant n'importe quel business que tu as choisi, tu gagnes de l'argent. Si tu suis le truc par exemple, tu sais, imaginons que les entreprises, ça se casse la figure en 5 ans, ok. C'est valable pour tout le monde, ok, 80%. Donc tu te dis, ok, là je commence à faire du cash. Hein, je pense par exemple aux influenceuses là. Les influenceuses ou les femmes qui ont des OnlyFans, des trucs comme ça par exemple. Elles font beaucoup d'argent, ok. C'est pas un truc périn ça. C'est un truc qui dure un moment, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer, tu vois. Si cet argent-là, penses en mode court terme, tu vois, tu te dis, bon, ben là, tu es obligé de. Si tu penses au court terme, tu te dis, bon, ben c'est bon, je loue une villa, je vais à Dubaï, j'augmente mon train de vie, etc., etc. Comme si, ben, en gros, ton argent, il va tomber tous les mois. Comme si c'était, je sais pas moi, c'est comme si tu avais créé des revenus passifs, quoi. Tu fais comme si, ben voilà, maintenant je gagne de l'argent avec un OnlyFans ou en étant influenceuse, genre ça va toujours rester comme ça. Il suffit que Instagram change l'algorithme et tout et qu'il y ait un problème, que tu touches moins de personnes ou etc., que ce soit moins rentable pour les entreprises,
dirait que leurs revenus vont chuter, par exemple, tu vois. Donc du coup, si jamais tu penses toujours en court terme, tu vas augmenter ton train de vie, etc. Et ton salaire va baisser tes revenus vont baisser petit à petit. Et tu vas te retrouver en galère parce que tu auras augmenté ton train de vie, etc. Parce que tu auras pensé en short terme, tu vois, court terme. Alors que si jamais, par exemple, tu te dis, ben voilà, cet argent-là, boum, je l'investis. Ou tu crées une marque grâce à ça. Ou tu l'investis dans l'immobilier, etc. Tu vois, ou tu rachètes des entreprises. Bah là, ça te fait vraiment des revenus qui tombent de manière passive. Et même si ton entreprise, elle se casse la figure, okay, eh ben, du coup, toi, tu as toujours des revenus qui tombent tous les mois. Mais le problème, c'est que c'est super difficile de voir que tu as beaucoup d'argent parce que quand tu investis, et chaque fois que je prends cet exemple-là, quand tu investis un million, même si tu investis un million cash, ça te fait à peine 8 000 euros par mois. Tu vois. Et si tu investis un million à 10%, okay, donc ça fait à peu près 8 000 euros par mois. Donc, tu te dis, c'est relou parce que le temps de réunir cette somme-là, okay, d'avoir le 1 million, même si tu fais au fur et à mesure, évidemment, tu n'attends pas d'avoir 1 million pour mettre tout d'un coup, tu investis au fur et à mesure. Mais genre, ça prend du temps, tu vois, de pouvoir avoir même le fruit de pouvoir le mettre placer 1 million. Alors que les 1 million, tu vois, 1 million sur 12 mois, ça fait quand même 86 000 dollars par mois. Donc, si tu claques ça en lifestyle, ça te fait genre, tu mets ça sur Instagram, tout ça, on a l'impression que tu es un milliardaire. Parce que c'est énorme de dépenser 86 000 dollars par mois. Tu n'arriveras même pas à les dépenser en plus, ça fait trop. Et donc du coup, c'est clair que ça peut être super frustrant de ne pas penser en mode short terme, tu vois, et de, entre guillemets, se sacrifier, genre vivre, ne pas augmenter son train de vie, vivre normalement. Et alors que tu vois que ton voisin, par exemple, qui fait la même chose, lui, il est en train de s'éclater, boum boum, Dubaï, Miami, tout ça, machin, machin. Mais qui va gagner dans, entre guillemets, si jamais il y a... C'est même pas gagné, mais dans ta vie, tu vas gagner le fait d'avoir été intelligent, d'avoir pensé long terme. Donc, toujours être optimiste long terme, ok? Donc, s'organiser toujours long terme au lieu d'être optimiste à court terme. Non, ça ne fonctionne pas, les gars. Donc, voilà, c'était la pensée un peu de Bill Gates que je voulais partager avec toi. Donc, évidemment, ça demande de la patience. C'est super relou et c'est pas sexy que je te dise ça. Voilà. Moi, le conseil que je te donne, c'est de dépenser l'argent de tes revenus passifs. Voilà. C'est sans négociation, si tu veux penser en mode long terme. Parce que tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Tu ne sais jamais ce qui peut, les tendances peuvent changer, qu'il y a un problème, etc. On ne sait jamais, même si on se réadapte. Mais dans tous les business, comme tout le monde, que ce soit Apple, les plus grands, tout le monde, ils ont eu des problèmes à un moment donné, c'est monté, c'est descendu. Donc, si tu n'es pas prêt à assumer, ou si tu n'as pas d'argent de côté, ou si tu n'as pas des revenus, ou si tu n'as pas quelque chose, attends, tu n'es pas plus grand qu'un Elon Musk. Hein. Ok ? Et lui, il a frôlé aussi la faillite. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme tu peux le constater, c'est toujours dans la tête. Il y a des vidéos où je te dis exactement comment créer ton business en ligne. Il y en a plein dans les débuts de mes vidéos. Mais clairement, si jamais dans ta tête, ça ne va pas, ça ira pas, quoi. Si tu n'as pas la bonne manière de penser, tu vas t'éclater au sol. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as une vidéo. Un j'aime pas parce que tu es vénère. Toi, non, tu veux devenir milliardaire en un an. Et voilà, ben, écoute. Je ne sais pas quoi te dire. Pense long terme. Tout ce que je peux te dire. Ok, si jamais tu veux aller plus loin, tu veux créer ton business en ligne, tu as la formation Influenceur 2.0. C'est un prix super accessible. Je te montre exactement comment créer ton business en ligne et gagner de l'argent sur le long terme. Et c'est ça la puissance que j'aime avec Influenceur 2.0. C'est que l'argent, ça ne tombe pas d'un coup. Ça monte petit à petit, mais ça augmente tout le temps en fait. C'est du long terme, tu vois. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ben voilà, c'est tout, les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp.